cabinet actualité. États-Unis justice, 12 membres jury dans un procès pénal historique contre Donald Trump a délibéré pour qu'on ait si oui ou non il a condamné ou bien acquitté ancien président républicain. Région Moyen-Orient, Israël continue opération Efraïklio dans ville Rafah malgré opposition États-Unis avec plusieurs autres puissances occidentales. Et puis Haïti, docteur Gary Coney, un fonctionnaire international, apparaît pour tourner nouveau premier ministre après un vote conseil présidentiel transition. Et puis Haïti toujours, funérailles Jude Montiste, haïtien ça qui mourit assassiné en bas gang armé ensemble avec un groupe missionnaire américain. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Merci de ce choix. Bonjour, bonsoir tout le monde. Madame Manakile qui côté WAP tande et garde en même temps édition La Voix de l'Amérique. Ça que nous portons pour aujourd'hui. Quelques autres grands pour cap dominer l'actualité que nous portons pour après La Voix de l'Amérique. Là, il faut qu'on ait Brésil lancé 2,9 milliards de dollars d'après pour compagnie qui affecté dans l'inondation pays. Si là, de l'autre côté, il a assassiné un candidat pour président dans la municipalité. Qui trouvait dans l'État mexicain Guerrero rete branché ou ben tout détail ça yo yon l'autre côté tout et ben dans dossier pays d'Haïti qui actualité yo même l'a mené nous tout côté nous pral gain pour nous et bien Mika Ben lui-même qui recevoir yon prime mes amis mon nan mouri mais médaille sénat français lui-même qui titre posthume que yo même yo bay chante Aïcha ça lui-même qui était décédé n'a venir avec détail en pile personnalité politique avec un parti politique s'allier choix Gary Coney comme nouveau premier ministre rete branché point ça avec un pile l'autre encore que nous porter pour accompagner des éditions La Voix de l'Amérique ça mais avant même nous rentrer dans pour ça qui domine actualité pas oublier si pour la première fois tomber sur channel là abonne-nous avec channel là activer la cloche de notification pour là mettez le sur toute une façon pour pas rater aucune prochaine vidéo n'a gagner pour nous porter pour sur channel ça pas oublier quitter un like sur vidéo et partager vidéo à toi avec un ami une famille une façon pour aider nous grandir communauté channel si nous invité au printemps chez au côté nous pral fort entendre toute édition La Voix de l'Amérique là et puis devant nous même n'a retourner pour nous capable porter reste détail pour ou raler chez ou La Voix de l'Amérique n'a pris c'est pratiquement dernière ligne droite qui gagne dans procès pénal contre ancien président républicain américain Donald Trump et jodi a c'est délibération nous allons rejoindre Valérie celui qui trouvait dans New York Valérie. En effet, Jacqueline, je dis à ça nous capable de dire, c'est que l'avenir Donald Trump n'a mis 7 garçons et 5 femmes qui formaient eh ben, jury de 12 membres qui commençaient séance de libération aujourd'hui. Dans le cadre, dans le contexte, jugement historique et criminel ça contre l'ancien président américain. Je dis à nous sous place ça qui en face tribunal là, côté que le jugement a déroulé. Et place ça a gagné plusieurs fanatiques, plusieurs curieux et fanatiques de Donald Trump et monde qui compte Donald Trump qui viennent rassembler sous place ça pour y autant verdict là. Je pensais que je dis à bon verdict. Délibération historique, jury a commencé après plusieurs heures en discussion. Discussion prolongée, faut nous dire qu'il finit bien tard hier soir, il m'a dit, côté que prosecutor Joshua Sengblast a accusé Donald Trump que il était intentionnellement trompé électeur, l'élite soi-disant fait complot pour enterrer, casser feuille, couvrir histoire ça qui t'a influencé l'élection présidentielle en 2016. Prosecutor Sengblast a suggéré que Donald Trump a fait ça avec volonté pour cacher paiement l'argent qu'il a fait, d'une façon pour ne pas quitter aucune trace, à aucun document. Avocat défense en compte examination témoin principal là, qui c'est Michael Cohen, il était visé pour écraser crédibilité. Maître Todd Blanche a traité ancien avocat et ancien ami Donald Trump là, comme plus gros menteur qui sous la terre. Et il t'a demandé jury pour acquitter client li bien vite. N'a rappelé que Donald Trump fait face à 34 accusations criminelles pour faux dossier business. Accusation ça yo gen comme punition jusqu'à 4 années dans prison. Donald Trump démenti que li pas fait rien qui mal et il t'a plaidé non coupable. Faut que nous comprenne que plus gros accusation c'est remboursement l'argent ça qui t'est payé by Michael Cohen pour lui-même li a fait un paiement de 130 000 dollars by actrice film pornoise Stormy Daniels en échange pour fermer bouche pour pas parler sur relation sexuelle avec ancien président Donald Trump qui était passé en 2006 et c'est parti ça qui est plus important dans le jugement ça a déroulé dans le tribunal qui est derrière là. Pendant plus de 4 semaines pendant la séance de témoignage, le prosecutor a été relé 20 témoins. Et avocat défense, lui-même, a été relé seulement 2 témoins. Parmi les témoins clés que la justice a été relé, nous jouons ancien avocat Trump, Michael Cohen, actrice film porno justement Stormy Daniels, publicateur journal tabloïd Zen Tributaire, David Pecker, avec avocat Kate Davidson, qui a négocié contre l'agent pour acheter silence Stormy Daniels. Et puis nous jouons ancien modèle Playboy, là, Karen McDougall. Bon côté par équipe avocat défense, plus gros témoin, c'était avocat Robert Costello. Délibération jury en jugement criminel contre Donald Trump là, eh bien, l'Ipral continue aujourd'hui en dehors du tribunal là, et c'est ça qu'a fait là, dans une chambre qui est réservée spécialement pour membre jury. Membre jury a communiqué à tribunal là à travers note que y a voué par le juge là. Mais personne ne connaît ça, membre jury a dit entre eux. C'est un vrai suspense en dehors du tribunal là aujourd'hui. Panel jury 12 membres ont gagné un gros travail devant eux. Ils ont décidé si ils doivent condamner ou soit acquitter Donald Trump pour quelque ou soit tous 34 crimes que ont accusé lui. Si jury, après plusieurs jours de délibération, pas arrivé, joint un verdict unanime,
Kevin qui veut dire faut que tous les 12 membres soient d'accord sur même verdict là, et bien dans cas ça juge est capable de déclarer annulation jugement. Il n'a pas rappelé que si on a joint ancien président coupable, il t'a qu'à prendre 4 années prison. D'ailleurs dans là ce tribunal là et nous sous place à côté que quelques fanatiques Donald Trump avec des curieux qui viennent garder puis ouais si je dis à pour tout bon vrai, a bon verdict qu'a sorti dans jugement historique ça contre ancien président Donald Trump. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis Manhattan, New York. Donc délibération a fait dans New York, donc ça pile suspense sous question ça dans moment que 12 membres jury a yo même il a fait délibération et qu'on y a yo l'autre fait l'autre exigence encore pour y attendre quelques autres témoignages. Actualité qu'on a mené nous dans pays d'Haïti côté docteur et Gary Conné tournait ou bien sur route pour tourner nouveau premier ministre et dans pays d'Haïti après que conseil présidentiel transition fait vote hier, nous pral rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince qui pral camper pour nous personnage là. Gary Conné fait dans Port-au-Prince et le diplômé dans l'école médecine et pharmacie Université l'État d'Haïti. Il gagne une maîtrise en santé publique dans l'Université Caroline du Nord dans Chapel Hill. Il parle couramment anglais, français et créole. Dr. Conné possède plus de 20 années d'expérience en développement international, principalement dans les Nations Unies et dans l'ONG internationale. En janvier 2023, il est nommé directeur régional UNICEF pour Amérique latine et Caraïbes. Avant ça, il était occupé divers postes importants, notamment en Jamaïque, Burundi et dans la Fédération internationale Société Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Dr. Conné, déjà premier ministre pays d'Haïti, en octobre 2011 à mai 2012. Il était démissionné après deux accords gagnés avec le président époque-là, Michel Martelly, sous contrat reconstruction après tremblement de terre, avec une enquête parlementaire sur double nationalité politicien. Le principal défi pour Gary Conné, c'est de former un gouvernement capable de rétablir la sécurité dans Port-au-Prince, capitale haïtienne qui a subi un pile violence gang armée. Stabilité et sécurité, vie et bien, c'est priorité immédiate pour nouveau premier ministre et équipe. Le conseil présidentiel transition a désigné Gary Conné comme nouveau premier ministre. Dr. Conné, élu avec 6 votes sur 7 membres qualifiés dans le conseil. Nomination ça vini dans un moment côté Haïti a cherché rétablir stabilité et reprendre contrôle diverses zones gang armée dominées, notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Désignation Dr. Conné Anto vini après démission Premier ministre Ariel Henry dans le mois mars qui s'est passé là. Dr. Ariel Henry a quitté Haïti pour aller chercher soutien international pour une mission sécurité Kenya a gagné pour conduire et l'empêcher depuis lors pour entrer dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. On dit que réaction pas de printemps pour être tombé sous après que conseil présidentiel transition nommé docteur Gary Conné comme nouveau premier ministre dans pays d'Haïti. Nous allons joindre Renan Toussaint qui lui-même déjà joint des réactions. Réaction département, ça pour ça compte sous question sous nomination docteur Gary Conné. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Après conseil présidentiel transition a fait un choix docteur Gary Conné comme premier ministre transition, plusieurs leaders partis politiques et organisations sociopolitiques gen opinion différente par rapport à Dimash ça. N'a dit IPM Gary Conné bienvenue, mais cependant faut qu'il gagne responsabilité directe dans question pour combattre sécurité là, faut qu'il gagne de même tout pour combattre gangoua, permettre que réforme constitutionnelle la fête, travail pour conseil électoral la monter afin que 7 février 2026 pour gagner pour renouveler personnel politique là. Transition ça, il doit véritable transition de rupture pour permettre pays à grand rail développement. Et c'est dans contexte ça, n'a fini pour dire conseil là. Encore une fois, nous acclamons pour harmonisation. Nous devons continuer dans le même lancer. Mettez tout zigzag de côté pour avancer et pour permettre pays ça, pays de Salines, pays tout Saint-Louis-Gatia, pays Chalmay Perel là, pour petit nous demain si Dieu veut pour pas vivre ça n'a vivre là. Sans mettre trop, nous pas capable encore. Docteur Conné, venez à l'heure. Saint-Jean Mateni qui est coordonnateur parti politique, nous d'accord replanifier Haïti, nous dra avec Joseph Jean Rousselet. Qui c'est porte-parole parti politique innovation dit ou pas attendre rien positif nan men Gary Conné. Gary Conné pas un meilleur choix et nous connaît que 2011 à 2012 choix Michel Martelly te fait des liens pas de porter résultat et je dis à nous pas attendre grand chose de Gary Conné. Gary Conné son monde qui te décrit déjà mais nous respectons comme intellectuel nous connaît qu'on l'est est-ce que là comme nous même en Haïti qui connaît tout mais cependant nous pas connaître Nations Unies quelque chose au monde pour porter résultat. Nous ne croyons pas à la Nations Unies comme tout le monde pour voter résultat. Ça va dépendre de la nature. Cependant, nous faisons appel avec les acteurs de l'opposition. Nous faisons appel avec les organisations de l'opposition. Nous faisons appel avec la société civile. Monsieur, dame, si nous mettons ensemble, il y a fini, oui. Bon, question de faiblesse, la question de tout, oui. Ok. Bon, question de faiblesse, la question de tout.
Parce que je veux dire, c'est une déception lorsque nous c'est Gary Conil. Et nous te prévoyons déjà, nous te décrions déjà. Le bloc est là, trafic de fluides de l'international. C'est un dossier à suivre. Oui, dans tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, on peut toujours continuer à chercher l'autre réaction par rapport à la nomination Dr. Gary Conil comme nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Et d'après l'information qui vient de nous, Dr. Gary Conil pas en Haïti. Donc, il y a des marches à faire pour entrer dans le pays et poursuivre l'autre étape pour le capable de prendre tête gouvernement intérimaire là ou bien gouvernement transition. En Haïti, toujours, c'était funérailles Jude Montis. Haïtien ça qui était mouru, assassiné en bas main, gangamé en Saint-Marc, un couple missionnaire américain. Et au reportage, Sandra Lemaire. Plusieurs centaines de monde étaient présents dans l'église de Port-au-Prince mardi pour porter deuil pour Jude Montis, directeur mission chrétien, gang tiré et touillé ensemble avec un couple américain qui était travaillé à lui. De l'eau a coulé dans le foule là. Dans le moment, il a assisté aux messes bonheur dans le matin. Madame Montis a crié tout. Et nous prenons le nom Seigneur, qui a beau pouvoir au ciel là. Et ça va prendre le temps pour nous jouer la justice pour la paix. Service-là te rend hommage tout à Davy et Natalie Lloyd, un couple marié dans 20 ans qui était avec Montis. Le nègre-exam était attaqué au jeudi soir pendant qu'il a quitté une activité pour jeunes gens dans l'église dans la zone. Montis a 47 ans. Il a quitté derrière madame ni deux petits qui ont l'âge 2 à 6 ans et puis un frère qui était présent nuit de côté, il était mort assassiné. Service-là déroulé quelques jours seulement après trois mouni ont été morts dans une zone gang contrôlée dans la région Nord-Port-au-Prince, côté Montis a travaillé comme directeur local Missions in Haiti, une organisation religieuse qui gagne base dans Oklahoma. C'est David et Alicia Lloyd, parents Davy Lloyd, qui établit l'organisation ça. Missions in Haiti dit ambassade américaine a travaillé pour joindre documents nécessaires pour transporter cadavre Lloyd par avion aux États-Unis. Il ajoutait que les voyait employés Lio à prendre refuge un côté qui pissu. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. On apprête toujours dans le pays d'Haïti, côté que chaque dernier dimanche et mois de mai, tant qu'on a plusieurs autres pays, eh bien, c'est fête demain. C'était une occasion tout pour te faire une journée ramasser sang pendant un moment ça pour aider les gens qui ont besoin, surtout dans la période côté que nous vivons une insécurité sans pareil. Gentil Augustin Junior, à venir avec détail. Yon journée don sang capoter l'espoir pour la population dans la crise de violence Haïti. Vient avec la situation pays, nous avons une demande. Soit pour moun ki pran bal, soit pour moun ki va coucher ou bien pour moun ki pran k'ap fon l'autre intervention, toujours gon 2200. Comme nous gen manque nan cabine nan ki nan digicel la, je di an nou vini pour nous faire un collecte pour nous ramasser plus pochette pour nous ka desservir population. Samedi 25 mai 2024 là, citoyen k'ap viv nan Port-au-Prince, tal bay san malgré gros inquiétude sécurité yo. Nan mitan groupe moun sa yo, genyen ki souliye importance solidarité nan youn nan pi mauvais impasse pays a trouvé. Raison ki pou se vin bay san, c'est très simple. Je m'a payer rien pour me baisser et puis il y a qui bon monde qui dans nécessité tout parce que ça capable plus ou moins aider yo par rapport avec besoin yo dans ça. Nancy Lenné, coordonnatrice Renaxan, t'a expliqué population qui processus poursuivre les l'hôpital yo mandé sang pour malade yo. Si on monde a besoin sang dans période ça après le fin faire collecte là, il peut aller au niveau du CNTS qui c'est Centre National de Transfusion Sanguine à Turjo, il peut aller avec réquisition médecin balien, il va le produire demande là et puis suivi en fait pour lui au niveau du CNTS. Il est capable d'aller sans problème. Journée don sans ça, fête chaque année en Haïti, la veille fête maman. Yon façon pour ka sauver la vie maman ak ti moun nan moment yo besoin sang. Cependant, année ça, don sans extrêmement pi important à cause crise violence kap ravage Haïti ya. Côté, gen plus moun ki vin besoin sang pour ka joindre la vie sauve. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil ou souvé ou accueil l'observe un programme dans langue haïtienne rete branché actualité à concernant international là dans un petit moment. Merci d'être toujours branché VOA Creole. Nous parlons dans l'actualité concernant la région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne. Ils ont mené encore l'autre attaque dans la ville Rafah. Quelques temps après, ils ont rendu militants à Massio responsables, l'ont mort trois membres de l'armée. Jean-Robert Philippe lui-même l'a suivi pour nous de très près. Et Jean-Robert, et malgré ça, États-Unis dit, malgré position États-Unis, avec plusieurs autres pays, Israël paf campé opérationnel dans Rafah.
Effectivement, j'en dis, et ils n'ont pas campé vraiment parce que c'est tellement vrai, ils ont mené un attaque encore. Côté, ils ont annoncé même, ils ont pris contrôle frontière et Rafah, ville Rafah, qui est dans le sud et territoire Gaza et qui est partagé avec l'Égypte. Donc, ils prennent contrôle de zone ça. Ils ont qui normalement, ils ont utilisé pour empêcher que les militants amassés réapprovisionnent dans les armes. Donc, ils ont déjà découvert un paquet de cachettes, côté que tunnel, côté que les militants amassés habitent fait armes passer. Mais ils ont dit que opération menée, ils n'ont pas violé les lignes rouges que les États-Unis tracées, qu'ils n'ont pas qu'à traverser. L'armée israélienne a annoncé qu'il perdit 3 soldats dans la ville Rafah, Joudia, dans ce qui semblait responsabilité militaire Hamasio. Attaque ça arrivé quelques jours après soldats israéliens ont lancé une attaque dans un camp réfugié déplacé palestinien dans la ville Rafah, à côté de Touye, 45 personnes pour pitié et blessé environ 200 autres. La Maison Blanche décrit attaque ça comme une action qui déchire le monde. La Maison Blanche ne prend aucune décision pour limiter la science militaire là-bas Israël ou bien changer la politique des États-Unis qui a supporté les droits israéliens pour opérer dans le territoire Gaza. Mohamed Abouassa a décrit ce qui passé dans le camp réfugié à dimanche, déclaré même Rafah que l'ennemi a été déclaré offrir une sécurité. Ce n'est pas vrai. Pas de sécurité. Tout le monde connaît, c'est un camp pour le monde qui est déplacé. Quand ça y est, c'est Mati Yoye. Pour mon aide, c'est une scène nous ne sommes pas capables de comprendre. Attaque dans l'Utlant est très difficile. Président Joe Biden n'a pas jamais suspendu avec Israël contre l'idée pour lancer une attaque dans la ville Rafah qui charge avec le monde. Mais la Maison Blanche souligne, mardi 28 mai, li pa kwè attaque dimanche traverser la ligne rouge administration a tracé ou bien li mérite un changement dans la politique administration. Ben. I think very strident. John Kirby, porte-parole Conseil de sécurité nationale États-Unis, a déclaré moi crois que nous très strict dans condamner la mort civile innocent. Monde qui mourit dimanche pas fait exception. Nous devons comprendre ça qui passé là. Gagne une enquête qui a déroulé. Gouvernement israélien déjà déclaré c'est un erreur tragique. Il a enquêté pour jeune responsable général habitué fait. N'attend pour ça y a fait. Militaires israéliens ont dit qu'ils ouvrent une enquête. Major général Yifat Turner Yehou Shalmi parle pour dire naturellement, dans une guerre avec une telle intensité, avec magnitude, incident difficile arrivé. Quelques premiers incidents, comme ça qui passe dimanche, là, dans Rafah, très difficile. Autorité a toujours prévisé d'états incidents et n'a pas de conclusion. Force sécurité israélienne regrette le dommage li causé parmi les civils pendant la guerre. Mais groupe militant Hamasio qui a commencé le conflit à 7 octobre passé n'a pas perdu du temps pour la responsabilité à sous l'administration américaine. We hold the military. Osama Hamdan, porte-parole haut-placé militant Hamasio, a déclaré nous rendons l'administration américaine avec tout président Joe Biden responsable pour massacre l'aide contre déplacés dans la ville Rafah et pour tout notre crime occupant et commet dans le territoire Gaza. États-Unis continuent à faire force occupation, support politique et militaire et puis continuent à faire équipement militaire. Bombes avec ammunition pour touiller plusieurs douzaines, si ce n'est pas plusieurs centaines de personnes, femmes avec civils, chaque jour. Dans le moment, enquêteur a cherché à connaître ce qui passait dans la ville Rafah. Analyste, comme Raphaël Cohen, un expert politique dans Rand Corporation, déclaré l'administration Biden en bas en pile pression en zèle gauche, parti démocrate là, d'un côté. Ensuite, il n'a pas affecté électeurs centristes avec démocrates qui en faveur d'Israël. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'était une idée sous actualité dans la région Moyen-Orient côté eh bien, Israël continue à mener opération dans la ville Rafah. Quand on a retourné dans le pays d'Haïti et dans l'actualité, environ 15 anciens prisonniers qui étaient dans la prison civile Fort Liberté pour aller bénéficier d'un programme spécial, un programme réhabilitation à réinsertion IMED à exécuter avec un financement Union européenne. Nous sommes sous place et Jodelet Junior Saint-Ville qui gagne un reportage sur l'événement ça. Grâce à un projet d'intervention juridique et sociale, bon côté moun qui nan prison nan détention préventive prolongée yo kap dire dès l'année ak financement Union européenne, Institut mobile d'éducation démocratique qui gentil non jouet li IMED accompagné plus passé 15 anciens prisonniers nan prison civile Fort Liberté a qui joine libération yo ayer lundi 27 mai 2024 la. Yon façon pour yo capable rétabli ak réintégrer yo nan société a. Chaque ancien prisonnier yo joine yon kit hygiène, 25 000 gouttes pour yo tourner la kayo et yo pral gen possibilité pour yo apprendre yon métier. Responsable IMEDLA, Madame Ketley Julien, te bay quelques précisions concernant le projet A. En même temps, l'idée par regret le projet ça a été atterri dans Fort Liberté. Nous pas regret parce que pendant un an, nous arrivons là 40 moun dans Port-au-Prince qui est 5500 dans Fort Liberté. C'est yon qui permet que nous remettre premier rapport à 390 Fort Liberté seulement, nous avons lagué 120 moun. Comme là nous bay jodi, c'est pour nous permettre de rentrer la caillou, commencer à organiser.
Deuxièmement, le protocole n'a pas signé avec eux, c'est pour eux apprendre leur métier. Je conserve, suivi séance psychologique, qu'on a fait avec le psychologue là, le psychologue qui là pour travailler avec eux. Troisième bagaille qu'on a gagné, pour leur apprendre le métier, nous ne pouvons pas lancer comme là-bas. On a fait suivi avec eux, gagner métier, gagner carrelage, gagner électricité, gagner plomberie, ça y est, les techniques agricoles, l'école là, n'a payé l'école là. C'était occasion pour commissaire gouvernement Fort Liberté à mettre Enose Firin te dit la presse moun sa yo qui joine libération yo là pas te commettre gros infraction puis fon yo te arrêté pour voler téléphone et il te fait yo quelques recommandations suspend avec mauvais acte yo nous imaginer que pour joine faire pour moi ce que des moun il parce que il 500 moun adam ancien prisonnier yo pas te rater occasion ça pour te montrer satisfaction yo prison pas en qui douce et m'a profiter occasion ça pour moi remercier toi organisation ça qui c'est Union européenne avocats frontières IMED qui est des mots de libération je vous dis je vous remercie beaucoup Jodley Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté pour VOA Créole. Et bien, quitté province, nous allons diaspora haïtienne, côté artiste chanteuse haïtienne Annie Alert, qui était dans la ville Orlando pendant le week-end. Elle m'a dit tout haïtien pour mettre tête collée, pour faire tête collée, pour être capable de changer la situation dans le pays d'Haïti. Un reportage, Yves, mon premier depuis Orlando. Chanteuse vedette haïtienne Annie Alert, qui a performé dans la ville Orlando, centre la Floride, pendant le week-end, a déclaré les sentiments bouleversés avec la situation tête chargée qui établit dans le pays d'Haïti, jeudi. Annie Alert, qui a parlé avec VOA Créole, dit tout. L'heure est qu'on est là pour tout haïtien qui vive quel que soit côté en OTA, montrer que pays d'Haïti, c'est pays payot. Pendant que le saluer, l'esprit qui est arrivé dans la construction, canal irrigation, rivière massacre. L'heure est arrivé pour nous commencer à montrer dans tout sens que nous campons avec pays. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a jamais venu aux États-Unis. Ce n'est pas tout le monde qui a jamais joué Phil Biden pour nous. Mais ce n'est pas qu'à jouer pour Phil Biden pour nous rentrer aux États-Unis. Il faut nous créer un espoir pour nous la caille. Et c'est ça que nous avons fait pour nous. Nous avons construit un canal, nous avons fait un canal, nous avons fait un canal qui a commencé là. Annie Alert, t'es allé plus loin pour dire. L'économie haïtienne n'en parle seulement chita, sodo, diaspora. Gouvernement doit créer moyens pour bailler citoyens liés aux sécurités pour permettre haïtiens de rester dans le pays pour créer job. Parce que d'après lui, il n'est pas possible pour ceux qui n'ont pas de criminels continuer à courir des droits haïtiens dans le propre pays. Malheureusement, sécurité dans un pays, ce n'est pas nous-mêmes. Citoyens qui doivent responsables ça. Nous pensons que le gouvernement supposé mettre tête en place pour jeter une solution avec Bagaïsa. Parce que pas qu'à prendre Haïtien, mais qu'on Haïtien dehors la caille. C'est la carrière nous lié, nous ne pouvons pas mettre nous dehors la caille. Nous pensons que ça se travaille par le gouvernement. Nous-mêmes, pour chercher à poser avec qui nous mettons manger dans le pays. Parce que un pays qui a plus manger a moins de l'état juvénile. Sauf que ça travaille pas sur l'éducation, sur manger. Mais nous-mêmes, pendant que l'État faut faire travail, à plus dans notre sécurité. Parce que longtemps, c'est parce que nous avons sécurité qui fait dans Sarah ou qu'on va sortir en dehors d'une bonne. Économique pays, pas seulement sur la diaspora. Nous pensons que oui, diaspora nous remet, nous comptons sur un pile, un pile pour pays. Mais nous, en tant que haïtiens, citoyens, haïtiens qui vivent en Haïti, c'est pour nous besoin de sécurité pour vivre dans le pays. Si nous ne pouvons pas partir, nous, haïtiens, pareil, nous ne pouvons pas pousser de nous la caille. Sous question pour qu'on ait, est-ce qu'il paraît pour aider à chercher solution pour résoudre la crise haïtienne? Non. Annie Alert, t'es parlé comme ça. Collaboration, c'est canal, collaboration, c'est à l'école, parler avec Timon, Timon là où, c'est essayer, ouais, est-ce qu'on est capable d'inculquer un lot d'éducation dans la tête pour faire comprendre que le pays a seyo, le pays a compté sur nous. Parce que ce n'est pas Haïti qui est mauvais, ce n'est pas le pays en soi, c'est nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. Et nous pas qu'à Haïtiens, tout le monde dit que c'est ailleurs les siens, ce n'est pas vrai. Annie Alert, t'es parlé comme ça dans la ville Orlando. Après, elle t'a fini participer dans un gros banquet pour marquer l'inauguration Radio Télétempo International dans la ville Orlando. Moi, c'est Yves, mon premier, VOA Creole, Ville Orlando, Naïta, Floride. Après être toujours dans Floride, comité de revitalisation quartier Ti Haïti, dans Miami, rencontrer membre communauté haïtienne pour expliquer le changement qui pourrait être fait dans le quartier. Je te démontrerai, tu es sous place. C'est dimanche qui s'est passé là, dans l'auditorium Little Haiti Cultural Center, que comité qui notait projet revitalisation Ti Haïti dans Miami, t'es rencontré à la communauté pour expliquer gros changement qui sont pour affecter haïtienne en ville. Là. Après introduction, modérateur soirée à Karel Pell, cinq panélistes qui sont éducateurs, travailleurs sociaux, entrepreneurs avec activistes communautaires qui font partie de Little Haiti Revitalization Trust Project, t'ont expliqué changement Cavineo et un débat très animé t'est en main. Après Chita Paléa, Joanne Milor, qui est présidente du comité projet revitalisation pour Ti Haïti dans Miami, t'ont expliqué changement Cavineo dans le micro VOA Creole. Nous avons recevé 31 millions de dollars parce que y a un gros développement Cavini dans la zone là. Et so ça n'a fait avec trust là, n'a essayé qu'un bé couture haïtien ici, n'a essayé
aider ti business qui dans zone là n'a essayer aider moun qui habite dans zone là nous gain deux programmes que n'a by club youn c'est pour ti business yo n'a by $10,000 ou $20,000 pour aider yo avec ti business yo deuxième programme que nous gain c'est moun avec moun qui gain kay na ti Haiti qui habite dans zone là que n'a by yo jusqu'à $50,000 pour yo capable ranger kay yo ça c'est deux programmes que nous gain déjà après troisième programme là n'a travaille sur li kounia et n'a essayer faire li dans deux ou trois mois c'est pour first time home buyers moun ki bezwen achete kay nan zon lan parce que nous konnen prix kay la ap monte and moun gen de fwa pa gen moyen ou yo pa gen assez l'argent pour yo ta capable acheter un kay nan zon lan so ça c'est un programme n'ap essayer commencer bientôt li important pour nous signaler que nous te pren réaction quelques participants qui habitent dans Little Haiti qui travaillent dans ville lan et qui gen business dans Haiti gen yo qui d'accord ak projet a gen qui pas d'accord ça qui attire attention mon Renadal c'est Jean présentation projet a par exemple yo fait 100% anglais donc un projet comme ça pas qu'a fait pour pas et inclure créole là-dedans pour pas ta parler créole pour dire de quoi il en est en créole laisse ça n'a bon communauté au moins communauté t'a bien imbu t'a plus bien comprendre projet a et li t'a ouais et bon côté à mauvais côté moi même parce que là-bas nous une chance pour savoir avec monde qui pense même gens nous n'a pensé parce que nous pas jamais gain monde gouvernement ba nous rien. C'est avec l'argent, nous travaillons pour l'argent et puis nous faisons bail. Nous sentons que nous-mêmes, haïtiens, pour qu'ils puissent voir nous, pour faire pour changement qu'on a fait vraiment. Moi-même, comme professeur qui travaille dans Little Haiti, je ne suis pas satisfait. Non, pas M. Judy Ronseret pour VOA Creole dans Little Haiti, Miami, État Floride. Merci, Judy Ronseret. Moi, c'est Jacques Lambert-Lizère. Bonsoir. Et l'autre information que nous portons pour, et bien, il faut qu'on ait en pile la personnalité publique avec un parti politique, ça lié, choix Gary Conil, comme nouveau premier ministre pays d'Haïti pendant un pile l'autre tour. Même, il y a brûlé en mri, quelques temps après, conseil là, lui-même, il était fin, et bien, déclaré, c'est Gary Conil, il choisi pour comme premier ministre pays, et bien, diverses personnalités, t'es réagi pour féliciter, là, selon déclaration, moun, yo même, yo fait choix, capable de mener pays à sous route, la paix avec sécurité. Yo pas besoin Badisha. Et bien, féliciter Dr. Conil Deske, conseil présidentiel transition a été choisi pour venir premier ministre pays d'Haïti dans un contexte qui différent et bien, mais important pour pays. Et bien, c'est pour mandat ça apporter la paix avec la prospérité n'a pas cherché depuis longtemps ces déclarations ça yon n'a pas conseil présidentiel transition li fait n'a parlé de Smith Augustin et bien li fait sous occasion si là et bien dans même dossier ça plusieurs partis politiques yon même tout yon te décidé féliciter nouveau premier ministre là parmi yon nous joignent Haïti en action qui c'est AAA et bien qui gen là dans tout ancien parlementaire là yon Will Atoti avec résistance pour Haïti n'a communiqué responsable AAA yo même yo te publié c'était mardi 28 mai 2024 là yo fait connait yo d'accord avec choix ça mais conseiller yo même tout yo gros autobré yo pressé former gouvernement et bien d'après eux même c'est une façon qui permettre yo résoudre problème sécurité à plus rapide dans pays qui bon depuis monté c'est toujours comme ça yo l'autre côté nous joine Jean-Rodolphe Joisil à Imiel Tochon Alex Didier Fizeme comme candidat qui était dans course là à Gary Conil et bien il fait déclaration par YouTube selon estimation monsieur Inel Latorson et bien choix six membres conseiller même c'est pas un cadeau c'est plutôt une gros responsabilité directe dans Nations Unies lui-même il gain sous dol parce qu'il préciser et bien c'est dans intérêt peuple haïtien décision lui-même il fait comme ça étape importante ça et bien pas embager monde là avec en pile intérêt et ben ça montre volonté frais accès nous yo en Haïti gagner pour yo aller pi devant Kenya exprimer toute solidarité avec Haïti pendant nous pas capable attendre encore pour travailler avec yo et puis gouvernement yo pour remettre Haïti sur route développement durable ces paroles ça yo président Kenya William Ruto lui-même l'était écrit sur compte X pendant journée hier mercredi 29 mai 2024 là pour ça qui gagne pour avec gouvernement qui t'a dû installer dans pays selon radio métronome cabinet ministériel là capable fait et eh bien demain vendredi cap vini là cap 31 mai 2024 là et puis installation t'a dû fait semaine cap rentrer à faut que nous dit tout conseil présidentiel transition à peine nommé pour un mois Michel Patrick Boisvert comme premier ministre lui-même qui a géré dossier intérimaire qui en s'abralier nous pour connait même si docteur Gary Conil lui-même il passe au territoire haïtien depuis quelques années et bien il dit c'est un l'honneur
pour lui et puis lui déclarer ensemble nous pral travail pour un demain meilleur pour toute petite nation qui donc n'est pas même vivre à Haïti qui information que qu'on est n'importe 10 ans de yo mais ça pas empêcher lui même les vinn pour tête pays lui même pour continuer vivre bandi exam assassiné directeur l'école Sœur Sainte Marie des Anges Henri Capoua dans Port-au-Prince badi exam yo même yo touye bien bonnet directeur l'école là Sœur Sainte Marie des Anges hier qui était mercredi 29 mai 2024 là dans Henri Capoua pendant bandi yo même yo t'a essayé kidnapper li petit papa Garcia Dominique lui même qui était directeur l'école là Sœur Sainte Marie des Anges et bien il perdi la ville bossé t'en maté après bandi exam te fin criblé ak bal et bien yon machine coulé rouge avec matricule AA 28138 et bien il était sous lit devant l'école lui même l'a dirigé à directeur l'école là t'es à peine à Paris pour descendre machine ni pour être capable rentrer l'école là et bien c'est dans moment ça nèg qui était sous moto exam d'après là mandé pour descendre vite là et bien il était résisté et puis il était c'est voir plusieurs balles Zaksa li même li passer dans espace li kon mete machine li yan. Transport en moi li même li té poussé victime dans couille machine li jusqu'à ce que li tal entre tête li nan yon mi ki donc a ces déclaration yon témoin dans zone nan li même li té partagé pourquoi li la information paraît vraiment difficile incident li même li tal a cause yon panique nan rico apparent dans zone nan environ li yo et bien parents yo même yo té pressé vite al chercher timon yo l'école et bien quelque l'école te décidé fermer porte tout bien rapide après Zak assassinat sur directeur l'école là c'est là lui-même qui fait n'a pas blou bandi exam te assassiné Fritz Gérald Leonidas et bien lui-même qui était propriété graffiti dans zone c'est là la flé du chêne mais qui le même terrain dans dernier souffle dans zone Russis dans date qui était 20 mai 2024 qui s'est passé là pendant yo même yo t'a essayé kidnapper li tout même gens avec sac nouveau ça que nèg yo fait bandi exam continue à tuer divers monde dans la classe moyenne là cap et bien dégager yo en dedans société a que nèg yo même yo pas décidé quitter yo et bien ces sac ça nous la plus souvent dans pays d'Haïti et bien qui passe span répéter mi kaben après recevoir médaille Sénat français qui gen titre posthume et donc Sénat français a lui-même li décidé titrer malgré li mouri sous initiative ambassade haïtienne dans pays la France Mikaben pral recevoir médaille français ou bien pour nous capable di médaille Sénat français a lui-même qui gen titre li qui c'est posthume et bien jodi 30 mai 2024 là yo pral remettre et bien distinction ça en présence à parent li avec ambassade haïtienne en France Sénat te mette sous pied prix ça dans l'année 2011 ministère Europe avec affaires étrangères à Tibaye à Koli et bien depuis 2014 médaille ça lui-même li gen pour objectif reconnaître influence Mikaben dans secteur musical là et bien cérémonie ça lui-même li t'a pral ou les touyon opportunité pour prochain Mikaben yo rend li yon hommage nan partager annexe donc yo même ak souvenir sous la ville avec carrière li comme ça y a célébrer le tout héritage artistique légende musical haïtien n'a parlé de Mikaben n'a rappelé artiste haïtien ça Michael Benjamin que tout le monde reconnaît son nom Mikaben de même était mort dans soirée qui était samedi 15 octobre 2022 pendant yo même li était dans un concert avec groupe Karimia dans Accor Arena dans ville Paris et bien depuis là ça artiste la recevoir hommage avec distinction dans divers pays dans monde là et bien même après l'amol côté pile slogan fait connait légende musique haïtien et bien légende pas konn mouri Zev Mikaben continue à parler pour lui et bien après la mort qui donc même après la mort et bien Zev même continue à joindre la famille les même qui était en parlant toujours dans domaine musical rappé c'est en Kingston lui même d'accord pour tourner Floride côté eux même yo accusé lui même avec maman de fraude rappé et chanter c'est en Kingston d'accord pour tourné Floride sorti Californie côté la justice accusé lui-même avec tout maman li deske yo commettre fraude pour plus passer 1 million de dollars Kingston lui-même qui gagne seulement 34 l'année sous tête li t'ai signé un document qui vague sous droit li gagner pour goumer compte extradition nan yon tribunal nan arrondissement San Bernardino mardi et bien kounya la yo pral voyer monsieur tourné nan arrondissement
Broward nan Floride côté la justice lagué maman li et bien qu'il gagne 61 l'année et bien sous caution mandat arrêt ça lui-même yo accusé monsieur Damio Deskeyote voler l'argent bijou yon machine Cadillac Escalade avec Meb et bien avocat yo même déclaré après arrestation semaine passée à la qu'il paré pour défendre tête yo contre accusation ça yo même devant tribunal yo l'autre côté et bien nous parler directement dans pays Mexique yo assassiné candidat pour président municipal dans municipalité état mexicain dans Guerrero et bien candidat pour magistrat Coyuca de même qui était Benitez et bien yon municipalité dans état Guerrero sud Mexique par alliance parti révolutionnaire institution yo qui relé prix et bien action nationale PAN et bien yo même ak révolution démocrate qui c'est PRD et José Alfredo Cabrera lui-même et bien lui rivé assassiné tiré dans Mexique hier mercredi ça qui s'est passé et bien ça si là est arrivé fait et bien c'est les politiciens lui-même l'étape de San Souti dans yon étape après discours fermé campagne li pendant garde corps lui-même yo té tiré soi-disant yon agressé et bien rapport agence sécurité l'état yo fait connait environ 6 PM et bien les local pays Mexique incident lui-même l'été fait dans dernier jour campagne élection yo et bien dans image qui publié et bien par moun qui participe nan ferme campagne la sou réseau social yo observé ki jan agressé a li même li té deyèl lè li tap marché et puis pita lè li même li té kite étape la et bien si kèl li même li té pran yon zam et puis li té apprendre pita ke li même li té yon calibre 9 mm avec li li té tiré deux fois nan tête la mes amis bagay yo drôle et bien quelques moments après garde corps yo même yon compagnie privée qui t'a veillé avec bay sécurité avec candidat tiré agressé avec plusieurs fois tout et bien koukwe li la qui recevoir plusieurs balles et bien li même li t'a pral perdi la ville tout des cadavres yo même yo té rete couché dans pas côté rassemblement li même li t'a déroulé et bien témoin yo fait connait à cause de coup de zama garde corps yo même yo té tiré trois partisans yo été blessé et bien deux messieurs yo même yo été arrêté par la police en place et bien la police garde nationale la police état avec un ministère yo même yo été veillé scène des crimes là pour expert dans bureau procureur général état si là lui-même était capable commencer investigation à cause des événements violents ça et bien candidat José Alfredo Cabrera lui-même était mandé pigou et bien protection dans main officier la police dans garde national la police état le ministériel là avec la marine en plus des scouts à sécurité privée yo qui donc bagaille ça yo paraît drôle ou fermer campagne yo et ben nèg exam yo même yo si mes coups d'exam sur plusieurs balles bagaille yo paraît vraiment bizarre pays Brésil pourquoi il là qui président Lula comme président et bien Brésil lance 2.9 milliards de dollars en prêt pour compagnie qui affecté dans dossier inondation qui s'est fait en pile par l'ampile dans monde là ou bien en pile ravage gouvernement brésilien annoncé ça hier mercredi 29 mai 2024 là que plus gros paquet aide jusqu'à date pour région qui affecté dans inondation les mêmes qui gain là dans la ligne de crédit pour 15 milliards reais et bien à peu près 2.9 milliards de dollars pour compagnie yo et bien banque nationale là pour développement économique avec social qui c'est BNDES lui même qui fait partie de l'état pral offrir et bien ligne crédit ça yo avec taux intérêt qui bat pour acheter machine avec équipement financement entreprise pour toute qualité compagnie président lui même qui c'est Lula dans Brésil li gen tout nol qui c'est Luis Inácio Lula da Silva bien le mettre accent sous pendant événement lui même qui était dans nouveau paquet mesier yo même yo té lancé que pas gen rien qui pral manquer c'est bon ça li dit pas gen rien qui pral manquer pour reconstruction état nan Rio Grande do Sul frontière Uruguay avec Argentine avec Piplis là et bien affecté à cause des inondations qui sont passées dans Rio là côté en pile pays dans monde là yo même yo frappé par inondation si là li même qui même frappé pays d'Haïti tout et bien en pile
côté yo même yo frappé dossier yo pas parti du tout. Gary Conille démissionné dans UNICEF pour le capable venir gérer poste premier ministre là dans pays d'Haïti. Nèg yo pas jamais suspend dans plusieurs job bébé c'est quitté une pour yo même yo prend l'autre ancien premier ministre sous Joseph Michel Matelia et bien lui remet démission li avant hier mardi passé à la comme directeur régional UNICEF pour Amérique latine avec Caraïbes là après conseil présidentiel transition ta fin choisi li pour venir premier ministre Gary Conille li même li té nan job ça depuis janvier 2023 et bien li bien rapide là li remet démission là pour capable venir nan mamel là Haïti côté bagaille yo même yo rien droit couler puis frais pour négo si tous les négo là yo pas gain trop contrôle si la guerre rentrer fait tout ça y a fait dans l'état gaspille ko bambouché fait tout ça vous voulez et bien yo même yo pito la ki n'importe l'autre job ki yo te capable à l'étranger si tout le continent à l'étranger gè plus contrôle bagay yo pas même gens ou pas capable fouer mais gens te capable fouer dans pays d'Haïti et ben Gary Conille même li préféré démissionner pour le capable vinn prendre job premier ministre la pito li préféré quitter l'autre job yo ça veut dire premier ministre la capable bali plus fouer li clair pour comprendre c'est pas un secret pour personne et bien nèg yo même yo pas négocier job pays d'Haïti pour venir chef pour quel que soit li ou la façon dans pays a pays vraiment bay nèg yo avantage lor là dans bouli comme l'état ou pas rien et puis devant ou pas rien pièce côté l'autre pays lor fait genre des bagages ça yo pral condamner ou faut passer tout détail et bien ou même yo pas gain problème pour yo faire ça yo parce que ça pas rien pour yo dit tout et bien après 3 mois depuis tout vol commercial yo té campé dans Port-au-Prince et bien compagnie américaine LN janoté dou dans vidéo taléa et bien li reprend vol li sur territoire national là jodi 30 mai 2024 là et bien c'est gros embouteillage qui gagne en dedans aéroport international Toussaint Louverture là et bien pour moun yo capable sortir c'est full compact pour moun capable dégager ou quitter pays n'a pas plus grand pile moun qui na Biden qui pour coucaler gagne en pile tout même qui pas de faire sacrifice là pour te traverser à l'un autre pays pour te quitter pays et bien pourquoi c'est gros embouteillage qui gagne pour moun yo capable quitter et bien pays d'Haïti pour yo rendre dans pays États-Unis dans vol si là les mêmes qui gagne ban temps depuis le té campé dans pays qui donc vol yo commencer reprendre tout bagaille commencer faite et bien kay qui t'écrasé yo tout n'a pas plus c'est là dans yo dans pile côté ça yo y a fait base pour militer ou bien pour recevoir force mission multinationale là qui t'a dû arriver dans pays d'Haïti et bien bagaille yo même yo pas paraître petit dit tout dans dernier jour ça là malgré en pile mon a posé question qui les force là lui-même la rentrer et bien qui pour gagner aucun date membre conseil présidentiel transition lui-même qui t'a visité tout pendant journée hier et bien base à côté a construit et a demandé qui les base là lui-même tout l'a fin construit maintenant ça qui gagne pour avec un dossier avancement il a fait là nèg examen lui-même qui pas chômé tout attaque continue à faire et puis gossip nèg dans moment là c'est à fait attaque dans route site là lui-même une façon pour capable gagner route les ou pour yo capable courir aller mais est-ce que force là lui-même li prêt tout pour rentrer c'est question en pile monde a posé est-ce qu'il a vini bien rapide en époque clé de quoi sous force là mais pourquoi il est là et bien préparation y a avancé avec un grand pas dans pays d'Haïti pour ta recevoir force mission multinationale là qui t'a doit arriver dans pays d'Haïti dans temps qui pas trop long département sud là lui-même li continue à traquer négo et bien gros tour qui était sauvé ancien policier dans la mort Jovenel Moïse yo mari nek sa kou krab la nan sid peyi a li menm n'a pale de bonhomme ici qui c'est Hippolyte Clifton lui-même qui était ancien policier et bien lui-même li mari on a arrêté Dimitri Ira information fait connait qui a sous école dans base Izo village de Dieu lui-même qui était fait partie monde tout qui était touillé et bien président Jovenel Moïse ou bien pour ne pas dire accusé parce que n'est pas jamais passé devant juge pour connait vraiment et bien lui-même qui ça li gen pou loué avec un dossier assassinat que yo même yo long menol nan la mort Jovenel Moïse la dossier conflit yo et bien dans zone Orient Syrie attaque israélien yo tué 3 combattants Hezbollah et bien ONG qui relé OSDH fait connait que 3 combattants syriens yo même bien qui membre
Hezbollah li même Libanais nan pays Syrie perdit la vie yo hier mercredi 29 mai 2024 après une attaque israélienne te fait et bien sous région Hamas là nan région centrale la pays Syrie observatoire syrien yo même pour droit monde qui c'est OSDH et bien yo même yo spécifié que 3 combattants yo té mouri nan yon attaque israélienne contre yon site militaire nan région O ou bien HOMS là et bien yon lot attaque israélien touye yon tifi nan ville Banias et bien ki bol an mer et blessé 10 timoun d'après sa média l'état syrien avec observatoire yo même yo rapporté ki donc attaque yo ki poko jam kanpe et n'a pas bien rapide la Palestine li même li accepté nan zone ki gen pou avec Nations Unies. Est-ce que ça va le camper guerre tout de suite? Nous poko konnen mais bagay yo paraît vraiment bizarre si tout attaque Israël li même l'a fait nan Rafah nan dernier jour sa yo là. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec ou même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification à mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et pour ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'elle passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.